continue. Salut à tous, c'est Ralga pour ce cinquième épisode de Regard dans le rétro sur Pokémon Jaune. Donc je rappelle où j'en suis, je suis à Azuria, j'ai libéré Léo. Donc j'ai traversé le pont Pépité, et va maintenant falloir que j'aille affronter Ondine. Et pour ça, je vais commencer par aller chercher un Pokémon plante. Parce qu'actuellement dans ma team Pokémon, j'ai un seul Pokémon qui est vraiment efficace pour des Pokémon eau de base, c'est Pikachu. Et comme il est comme toute ma team en fait d'ailleurs, ils sont trop juste en level. Il y a bien, allez on va dire 4-5 levels de moins. Il faudra que je prenne un Pokémon plante pour assurer le coup. Au cas où Pikachu ne tienne pas le coup. Donc je sais que dans ces hautes herbes, je peux normalement trouver des Chétiflore ou des Mistherbes. Je vais essayer de récupérer ça, sauf si le jeu me troll et me donne des Mimitos et des Roucoul. Bon. Hop, voilà. Bon. Allez. Ok, encore un Roucoul. On a essayé de me troll. Hop. Bon, donne-moi un Pokémon plante que je passe pas 3 heures à farm. Voilà, un Mistherbe. Level 12, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus en level. Il me semble qu'il peut, il peut être un peu plus haut. Mais bon, on va pas faire difficile. Bon, je peux pas faire un deuxième choc mental, ça va le tuer. Donc, charge, hein, pas le choix. Sachant que je pense que poudre toxique, il va y être insensible vu que c'est un plant de poison. Hop. Voilà. Donc de l'autre côté, hein, Volvi, une attaque plante sur un Pokémon insecte. Insecte poison ou insecte vol, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est très peu efficace sur le Papilusium. Donc voilà, Mister capturé. Donc blabla, description, on s'en fiche. Donc toujours pas de surnom. Donc on va rentrer, on va soigner tout le monde. Hop. Enfin, vivement que j'ai la bicyclette parce que là ça prend un peu de temps. Hop. Donc je vais devoir déposer un Pokémon avant. Et je vais déposer Rakaillou. Hein, hop, stocker. Rakaillou qui va se faire laminer par les Pokémon haut. Mince, je vais fermer le. Hop, retirer. On va retirer le Mistherbe. Hop. Sachant qu'à Azuria, y a, sur Pokémon Jaune, on nous donne un Bulbizarre, level 10, si je dis pas de bêtises. Sauf que pour ça, il faut que le Pikachu soit level 20 et très heureux. Ce qui n'est pas le cas, hein. Pikachu est trop bas en level, donc je le récupérerai peut-être plus tard. Hop. Hop, je vais mettre le Mistherbe en premier. Je vais garder le Pikachu en backup du coup. Hop. Donc on va éviter le dresseur à droite. Par contre, on peut pas éviter l'autre, celle-ci. Hop. Hop, un Poissirène. Ah oh, 6 levels. 6 levels, 7 levels, 7 levels d'écart. Ah, oh, ça fait mal. Bon, j'espère que Volvi va me remonter un peu.
C'est pas très très efficace. Hein. J'ai pas envie de. Hop, pique-pique. Est-ce que ça va le. C'est mieux. Hop. Donc, l'éclair devrait lui faire assez mal. Ouais. Tant que c'est que des altérations de stats, ça me va. Bon, pique-pique. Hop. Je vais sur le coup avec Vivi-Attaque pour attaquer en premier. Hop. Bon, je vais même pas gagner en level, ça me déçoit un peu. Je vais commencer par aller prendre des potions, à mon avis ce sera très utile. Hop, j'ai une pépite à vendre si je dis pas de bêtises. Voilà. Et je vais acheter des potions. Hop. Puis je vais refaire un stock de Pokéball. Et en fait, du coup, je vais me re-soigner une nouvelle fois. Hop. Voilà, à bientôt. Et on va pouvoir aller taper Ondine. Mais cette fois-ci, en fait, je vais te mettre Pikachu en premier. Parce que Mister a quand même pris assez cher. Ça, j'ai un peu peur, en fait, du coup. Hop. Blablabla. Bla, bla. Hop. Bon, c'est un dresseur qui a encore que deux Pokémon, ce qui est vraiment pas mal. Donc Starry level 18. Donc 4 levels de moins. Oh, défense plus. C'est pas bien ça. Quoique, je l'attaque avec du spécial, donc en fait il s'en fout. Oh, puis paralysé. Bon, ça va, j'ai un peu de chance. Donc du coup, vu qu'il est paralysé, je vais attaquer en premier. Et lui n'a même pas réussi à attaquer. Bon bah tant mieux hein. Hop. Mon pistolet normalement va pas me faire trop mal. Aouh. Mais. Hop. Pikachu level 15. Donc reflet. On s'en fiche complètement de reflet. Oui. Donc non je n'apprends pas. Prends un reflet. Non, c'est au tour de Staros. Bah... On va voir ce que vaut Pikachu. Ah, oh le. Bon, fermure. Moi, ça me va. Hop. Refais encore un mur, ça me va toujours. En fait, je savais pas que Ondine avait un crisacier. Hop. Moi ça va, en pensant là, je lui fais des dégâts. Défense plus, il était temps. Donc armure, 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 défense plus. Et sinon tu comptes me taper un moment? Hop. Bulle d'eau. Oh. Ok, au revoir Pikachu. Mais en soi ça me dérange pas. Parce que maintenant, vu ce qu'il lui reste à descendre, j'espère que la team va réussir. Hein. Oui, fais armure, moi je veux bien. Hop, Volvie. Hop, et donc il n'est pas mort. Et re-armure. Donc nous sommes tombés sur un Staros qui n'avait pas envie de se battre. Pourtant il me semble qu'il a une attaque psy qui m'aurait fait très très mal, mais il a décidé de pas la faire, donc je dis pas non. Ok. Donc voilà, battu Ondine. Hop, badge cascade. Des sous-sous dans la popoche. Hop.
16 coupes je vais utiliser et elle va me donner la CT 11 qui doit être Buldo. Oui, Buldo. Sauf que je n'ai pas de Pokémon aquatique pour l'instant, donc je vais la garder dans un coin. Hop. Je vais soigner tout le monde. Hop. 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 Voilà. Et on va sauvegarder. Donc 2h20. Il me semble que je suis reparti sur un très bon temps par rapport à la course avec mes camarades. Donc on va. Je vais remettre Papilio en premier parce qu'en fait il est très utile sur les plupart des Pokémon qu'on croise au départ. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Donc là nous avons un Rocket à affronter. Hop. Machoc, un Pokémon de type combat, normalement sur Papilusion ça devrait le faire. Surtout si je vais au choc mental. Je pense pas qu'il doive. C'est très efficace en effet. Point karaté. Oh, ça. Coup critique. D'accord. Hop. Point karaté. Donc là, si c'est pas un critique, c'est. Comment ça, deux critiques d'affilée? Bon, d'accord, j'ai compris. Bon bah recoule rentre utile. Hein. Vive attaque. Oh purée ça l'a pas tué. Point karaté. Bon ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il a ensuite? Bon ça up le recoule au passage. Soporifique, un Pokémon psy. J'aime pas trop beaucoup ça. Hop, parce que Pokémon Psy sont assez durs à gérer. En génération 1, ils sont vraiment shit, ils ont très peu de contre. Le seul type qui lui résiste, c'est le Pokémon, les types insectes. Et il y a très peu d'attaques insectes. Hop. Ah bon, voilà. Le recoul a tenu le coup. Ah, et puis recoule level 16. Ok. Hop, blabla. Hop, c'était 28. Bah, du coup, j'ai retourné. Quoique. Ouais, j'ai retourné me soigner. Hop. C'est vraiment la galère hein, d'être en sous-level, obligé de me soigner tout le temps. Mais je pense que c'est plus rentable quand même que de farmer pour écraser tout le monde. Parce que je perds pas tant de temps que ça, je pense. Alors que farmer ça peut être assez long. Hop. Donc maintenant nous allons descendre à Carmin-sur-Mer. Donc nous allons passer par le tunnel qui fait qui passe sous Azuria et qui relie Carmin-sur-Mer à. Qui passe sous Safrania pardon. Et qui relie Azuria à Carmin-sur-Mer. Hop, là nous avons la pension à gauche, mais j'ai rien à déposer à la pension. Hop. Hop. Ces tunnels sont quand même assez pratiques. Ouais. Donc on va éviter les combats encore. Hein. Hop. Hop. Donc ces deux-là, on les évite.
Lui, on l'évite. Oh, bon bah, un Pokémon. Un Rattata. Level 14, je m'en fiche. Hop, je prends la fuite. Et il y a ces deux dresseurs que je ne peux pas éviter. Hop. Bon, j'ai mes Pokémon full vie, j'ai des potions, ça devrait le faire. Je sais pas trop ce qu'ils ont. Roucoule, level 16. Choc mental, c'est bien choc mental. Hop. Ouais, je fais pas énormément de dégâts. Hop, choc mental. Coup critique, ça me va ça. Hop. Choc mental. Hop. Oh, il est pas mort. Bon, je vais la jouer sécure, je vais lui mettre une potion. Je vais pas le tenter au bluff. Ouais, voilà, il serait mort si je vais pas utiliser la potion. Hop, et choc mental. Non, mais échoue, sérieusement. Hop. Bon, tu l'as fait ton chou. Mais. Il s'est pris qu'un seul. Il s'est pris qu'un seul jet de sable et il a déjà perdu toute sa précision. Le random est pas avec moi. Bon, tu vas le faire ton choc mental. Bon. Voilà. Bon. Essaye d'apprendre parasport. Moi, ça me va bien, parasport. Quoique j'ai quoi sous la main. On s'en fiche de parasport. Après, j'aimerais bien avoir ces poudres dodo. Hop, roucoule. En fait, je vais essayer d'up le papillusion pour qu'il chope poudre dodo. Qui est vraiment très utile. Bon, Pikachu, là, elle va faire qu'une seule bouffée du Pokémon vol. J'espère. S'il perd pas trop de précision. Ouais, mais arrêtez de me mettre des coups critiques aussi. Hop. Et paralysé. Tant mieux. Hop. Au revoir, Rokul. Ça a été un plaisir. Hop, Pikachu, il reste Roucoule. Bah, je vais rester avec le Pikachu. Hein. On va regarder la même strat. Hein. Oh, oh, oh. Doucement, doucement. Bon, bah, potion. Bon, tornade, il devrait survivre à la tornade. Hop, éclair. Oups. Je vais tenter de mettre tout l'XP à Papillusion du coup. Choc mental qui passe. Oh, il est pas mort. Purée, il va encore perdre de la précision. Bon, la charge est passée. Bon, premier dresseur vaincu. J'allais dire sans trop de soucis, mais Pikachu est mort quand même. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc ça va être Papillusion qui va être encore en premier. Donc deux Pokémon. Piafabec. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir le Pikachu ici. Fury qui attaque plusieurs fois. Ah bah il s'est chopé de la folie en plus. Moi ça me va, hein. Fais-toi mal. Bon, ok, rugissement, admettons. De toute façon, choc mental c'est une attaque spéciale, donc je m'en fous de la force. Toujours pareil. Au revoir, piaf avec. Rat-attaque. Hop, on va tenter d'utiliser la même strat. Mais on va essayer de l'empoisonner avant. Aucun effet de mes pourquoi. Bon, hop.
On charge, ok. Wow, 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 wow. Bon, ok. Ah, il a survécu. Coup critique, il enlève que ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Nidoran, t'as une attaque combat, il me semble. Genre double pied, ce serait bien. Ouais, double pied. Croc de mort. Ah ouais, d'accord, d'accord. Bon bah, ok. Donc, one shot du Nidoran. Moi, j'aime pas trop beaucoup ça. Hop, je lui enlève quasiment rien. Bon, je sais, à la Volvie, ça va être un peu long, hein, parce que... J'enlève pas des masses de vie. Croc de mort. Ok, au revoir le mystère. Coup critique en plus. Bah, Ferro-Singe, on va essayer de caser un balayage. Ah non, Roucoule, pardon. Hop, Mimique. Hop, vive attaque. Vas-y, meurs. S'il te plaît, meurs. Oui. Hop, Papillusion, level 15. C'est d'apprendre Poudre Dodo. Voilà, ça, ça m'intéresse, Poudre Dodo. Sécrétion. Hop. Bon. Donc, nous arrivons maintenant à Carmin sur Mer. Je vais soigner tout le monde. Nous sommes à combien de vidéos? 22 minutes. Bah, je vais essayer d'aller sur l'océan en fait. Mais sur l'océan, je vais éviter le plus de combats possible. En fait, je vais en faire qu'un seul. Parce que en fait, tous les dresseurs quasiment sont dans des cabines et on peut choisir ou non de rentrer dans les cabines. Je vais sauvegarder quand même avant, au cas où. Je sais pas pourquoi j'ai le réflexe de sauvegarder dans un centre Pokémon. Hop, donc je vais éviter la plupart des dresseurs qui sont dans les cabines et je vais avoir uniquement le rival à affronter. Sauf que ce rival va avoir au moins 4 ou 5 Pokémon qui va avoir masse de level et que va falloir que je gère ça très bien. Blabla, voix de passe, blabla. Hop. Hop. Vous voyez, il y a plein de cabines en bas là, je ne vais pas y aller. Alors, il me semble qu'il faut que j'aille là. Ici. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça là, je dois tomber sur le rival. C'est ça. Ça va que j'ai encore un peu de souvenirs. Hop. 40 Pokémon, ouais, je dois en avoir 12 à tout casser. Hop. Donc Régis. 4 Pokémon, donc le Piafabec, donc il aura son Evoli. Il va avoir un Sabelette, si je dis pas de bêtises. Et purée, ça fait mal. Allez, dodo le pif avec. Je vais me soigner quand même. J'espère que le sommeil dure un peu. Bon, voilà. J'ai encore gagné un tour. Choc mental. Hop, je vais tenter de redormir, mais je pense pas que ce soit possible. Ouais, aucun effet. Bon, pipic, dommage, Papillusion va mourir. C'est assez mal embarqué. Hop, Pikachu. Donc Pikachu devrait en faire qu'une bouchée. Voilà.
revoir Pikachu, donc toute l'XP. Au revoir PF avec toute l'XP pour Pikachu. Ratata. Oh purée. Il va avoir croc de mort à tous les coups. Un truc qui m'a one-shot 2 ou 3 Pokémon tout à l'heure. Vive attaque. Ouais, bon, je tiens le coup. Oh, double pied, ça lui fait mal quand même. Voilà. Croc de mort. Allez. Ah non, ça l'a quasiment one-shot aussi. Hop. Bon, critique en plus, donc voilà. C'est encore un Pikachu qui va avoir toute l'XP. Hop. Sabelette, alors là ça va être un peu plus compliqué, surtout avec Pikachu. Essayer d'y aller au balayage de fer au singe. Mais il a 7 levels de moins, à mon avis ça va être vite plié. Ah, j'ai 7 levels de moins, mais j'attaque en premier quand même. Bon, allez. De toute façon, Féro Singe va mourir autant que les dégâts qu'il va faire soient pris en compte. Sabelette, Pokémon seul, donc a priori, Volvi devrait lui faire du bien. Hop. C'est très efficace, en effet. Hop. Hop, Mystère va échouer. Bon, faut qu'il aille. Je me suis pris pas mal de. J'ai de sable dans la tronche. Purée. Bon, bah, au revoir, Mystère. Purée. Il me reste deux Pokémon. Sachant qu'il y a encore l'Evoli derrière. Vive attaque critique, vive attaque critique, vive attaque. Oh, purée, je vais rien enlever. Il y a encore du jet de sable. Purée, attaque de roucoule échoué. Bon allez. Purée, c'est encore échoué. Encore un jet de sable. Ça va être embêtant ça. Ah, échoue, vive attaque. Bon, échoue. Est-ce que je vais survivre à ça? Non. Oh purée. Il va juste me rester donc le Pikachu. Mais il va faire vive attaque. Attaque de type normal, donc il va pas se taper le malus, c'est bon. Hop, et il reste l'Evoli. Bah, j'ai plus d'autres Pokémon. Ouh, ça va être galère. Oula, il y a 4 levels d'écart. Bon, je vais paralyser d'abord. Pour être safe. Hop, donc là, il a pas attaqué. Je lui arrive pas des masses de dégâts. Je lui fais pas mettre des masses de dégâts. Hop, vive attaque, est-ce que c'est mieux? Pas trop. Hop. Hop. Donc là, il m'enlève de la def, mais il n'arrive toujours pas à attaquer vu qu'il est paralysé. En ce temps-là, moi, je lui fais des dégâts. Hop. Hop. Bon, finalement ça s'est bien goupillé, j'ai même pas perdu de vie. Hop, Pikachu level 17. C'est cool ça. Hop. Blablabla. Hop. Donc maintenant nous allons rencontrer le capitaine de l'océan qui a besoin de massage en fait parce qu'il est malade. Donc là je coupe maintenant, nous sommes presque à 30 minutes de vidéo. Donc bah, on va sortir de l'océan puis on arrêtera ici. Finalement, j'ai bien avancé, beaucoup plus que ce que j'espérais. Je pensais pas pouvoir faire l'océan sur cette vidéo. Hop, non, faut que je remonte là. Hop.
Hop, donc départ de l'océan. On ne pourra plus jamais y retourner. Hop, donc la prochaine fois, nous allons donc affronter le Major Bob, maître de Carmin-sur-Mer et maître de Pokémon électrique. Et on va déjà apprendre coupe à qui? Bah, Mystère en fait. Hop. Hop, et je vais sauvegarder dans le centre Pokémon. Donc voilà, on va s'arrêter ici, hein. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez la vidéo, hein. Si c'est pas le cas non plus d'ailleurs, partagez la vidéo, ça me fera plaisir. Abonnez-vous, tout ça, vous avez les liens pour les réseaux sociaux dans la description. Et puis à la semaine prochaine. Ciao!